Je veux la libération du Togo. Je veux l'indépendance du Togo. Donc vous n'avez pas vous arrêter à la manifestation de ce matin. Non, pas du tout. On a d'autres projets, 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 on exactement, je pense qu'on est vraiment prêt, on est vraiment déterminé. Là, vraiment, il faut qu'ils partent, il faut qu'il y ait un changement et que nos enfants aussi aillent les apprennent à venir meilleurs. Tout à fait. Et c'est, vous l'avez dit, que vous allez organiser d'autres manifestations. Nous avons ce rapport de force là. Oui, bien sûr, je suis consciente parce qu'on doit dénoncer beaucoup de choses. Justement, c'est pour ça qu'on doit se mobiliser pour manifester contre les violences au Togo, justement, contre les manifestants. Parce que nous, on a cette chance, on ne sait pas. Donc du coup on va vraiment aider, soutenir nos frères qui sont sur place, qui se font tuer, malmenés par l'armée togolaise. Alors, pas de l'armée togolaise, deux mois l'armée togolaise, parce que l'armée togolaise fait partie aussi du peuple togolais. Okay. Voilà, justement, c'est pour ça qu'on se mobilise pour pouvoir dire à cette armée togolaise d'arrêter et qu'on leur dise non, arrêtez de tuer votre peuple. Parce que normalement, l'armée togolaise est là pour protéger son peuple et ne pas le tuer. C'est tout. Merci beaucoup de voir le ciel aujourd'hui. La diaspora togolaise manifeste. Bonjour. Vous êtes dans la manifestation, vous êtes satisfait de cette communication de la diaspora suisse? Très satisfait, parce que ça fait bien longtemps que nous avons toujours souhaité que tous les citoyens togolais résidents en Suisse fédèrent leurs efforts, leurs énergies pour être derrière, en tant que soutien infaillible, derrière le peuple togolais qui s'est mobilisé en ce moment pour reconquérir sa liberté et sa dignité. Et nous sommes vraiment très satisfaits de constater aujourd'hui que notre appel a été entendu par les citoyens togolais résidents en Suisse. Et nous tenons à exprimer notre gratitude, notre remerciement à tous les participants. On a dit que la flamme est allumée. La flamme est allumée. C'est une flamme qui n'est plus politique. C'est désormais une flamme citoyenne. Une flamme citoyenne qui va, qui éclaire à travers le monde entier, en commençant bien sûr par le Togo. Et c'est pour ça qu'il est très important, très nécessaire
pour nous, Togolais et Togolais de la diaspora, de rester mobilisés en acte par nos contributions financières pour maintenir cette flamme en l'état jusqu'à ce que la victoire soit acquise. Thank you.
Partout où elles sont, et puis commence par mettre sur pied des structures. S'engager dans ce que j'appelle la création d'un fonds stratégique où. Parce que la lutte. Donc, ce que moi je peux dire, c'est que la diaspora, partout où elle est espacée, Il faut que la diaspora s'organise et nous proposons
qu'on fait un comité qui restera de 10 membres, parce que chacun côté de sa communauté, ça ne va pas être le comité communautaire. Nous sommes 5 de l'opposition, 5 de la diaspora. En 2006, je pense que tu peux faire ce comité-là et on va centraliser, n'est-ce pas, à l'opposition. Merci beaucoup pour les Bété Koda d'avoir participé à cette manifestation ici même depuis Genève, devant les sites des nations, à cette intervention, puis les Nations Unies ici même à Genève. La mobilisation ne faiblit pas dans la diaspora, tout comme au Togo. Les Toulons sortent de changement. Avec Arsa, bonjour. Bonjour, monsieur Sipi. Vous manifestez devant les Nations Unies aujourd'hui. Est-ce que vous comptez sur l'opinion internationale? On Mais car ça, vous êtes devant les Nations Unies, même en Suisse, les Togolais qui sont peut-être à la maison qui les suivent, quel est votre mot à la dose des Togolais? Mais je pense qu'ils devaient sortir comme nous, ils devaient se mobiliser comme nous, parce que une révolution ne se fait pas avec une seule personne. Une seule personne ne fait pas une révolution. Un seul quartier ne fait pas une révolution. Donc ils devaient sortir et se mobiliser. C'est la plus grande chose. Pouvoir dire non à cette dictature, à ce régime qui termine le Togo, qui nuit à la population togolaise et qui fait de nous des esclaves du régime. Merci beaucoup. Avec le siège des Nations Unies à Genève, nous avons rencontré un étudiant qui a combattu ce régime depuis des années. Il est en Suisse. Jean-Paul Omolou, bonjour. Satisfait de la mobilisation ici même dans la diaspora de mon pays? Nous sommes plus nombreux que d'ailleurs, mais ils ont l'avantage de la violence sur le peuple. Et je pense que c'est sur ça que nous réfléchissons pour trouver l'équilibre. Et moi, on obtient que si un soldat tape un citoyen, tous les citoyens s'organisent pour taper aussi les soldats. Vous prenez alors la violence? Je ne prends pas la violence. Nous avons vu comment les gens qui ne sont pas allés à la marche, les militaires ont défoncé leurs portes et sont partis les tabasser. C'est juste pour semer la terreur dans le pays. Renvoyer les jeunes en exil, comme en 2005, et avoir le pays libre pour gouverner encore pendant des décennies. Je crois que notre défense n'est pas aigrée. Et quand on est face d'eau, quand on est dos au mur, la seule façon de survivre, c'est de résister à l'ennemi. Résister à l'ennemi. Il faut que le peuple se réveille, le peuple se réveille enfin, mais le peuple est tout en bastonné. Quel est votre mot à l'endroit de cette mobilisation? On l'a dit, la flamme du salut ne doit pas s'éteindre. Comment ne pas? Comment faire? Quoi faire Je crois que depuis 90, la flamme ne s'est jamais éteinte. Autrement dit, elle ne se serait pas rallumée. Mais la flamme s'est essoufflée par moments dû aux manœuvres dilatoires et aux ruses du pouvoir qui calquent sa survie sur des semblants de négociations, des accords sur accords qui ne met jamais en œuvre, juste pour gagner du temps. Et je crois qu'aujourd'hui, les gens ont compris qu'il ne faut plus négocier avec des gens de mauvaise foi.
pas de négociation. Vous prenez le départ du Conakry. La seule chose à négocier, c'est qu'il parte sans décision de sang et il aura la vie sauve, lui et sa nombreuse famille. Mais depuis quelques semaines, même avec cette grande mobilisation, le Conakry n'a pas de façon de peuple. Oui, parce qu'il n'a rien à dire. Il n'a rien à dire qui puisse nous convaincre. Et il est d'ailleurs insensible à notre souffrance. Et je crois que nous avons décidé de prendre notre destin en main. Et nous allons le chasser du pouvoir. Nous organisons pour cela. Comptez sur nous. Cette fois-ci, ça sera différent des autres fois. Dans ce monde, qu'est-ce que vous avez à dire à ceux qui ne sont plus chez eux à la maison? La diaspora est debout, le peuple togolais est debout, Jean-Paul Golou. Nous sommes 2 millions de Togolais dans la diaspora. Et nous faisons beaucoup économiquement dans la vie des Togolais. Chaque mois, nous avons de l'argent. Mais cette fois-ci, la souffrance du Togo nous a atteint jusque dans l'âme et nous sommes mobilisés pour trouver définitivement une solution politique à la situation du Togo. Jean-Paul, merci beaucoup. Merci, chers amis auditeurs, chers téléspectateurs de la radio Canalca. Nous sommes en direct aujourd'hui. Bonjour. Et vous participez à cette manifestation, quel est votre sentiment? Bien envie, Belgique, dit Caro. Bien envie, tiens, on reçoit Belgique. On est bien donné. On a débat de Bonamia. Parce que c'est pas pour faire une fête, mais c'est pour manifester leur mécontentement, leur colère. Bien envie, on reçoit Jamania. Bien envie, on reçoit Jamania, le mien de merde. Je pense qu'il est clair. Ok. Bon, qui vient? On est tous les mêmes. Bon, c'est levé. Bon, bien sûr, Bernard, le béton, le rassembler, Okay, mais pendant longtemps, on a parlé de rapport de force. Est-ce que le Bourson n'avait pas ce rapport de force? Est-ce que vous pensez actuellement que la rue est une chiffonation? Internet est illimité. Il y a personne qui viendra nous couper Internet. Donc, on a besoin de courant. Mais on se détaille le vieux quoi. Mais on va continuer. On ne s'arrête pas. Donc, il y a un japonais plus haut, le Montigny. Il y a un temps de ciel et de Jio. Alors, on est bon, hein? Alors, Togo! En 30 secondes, qu'est-ce que vous avez à dire à ces Togolais qui nous suivent actuellement chez eux, à la maison? Ces Togolais qui ont peur de changement aussi? Merci beaucoup le Gadi, Togo levez-vous, indignez-vous, car c'est la fin de la dictature de Togo. Viens devant le siège de la France, ici à Genève, les Togolais manifestent leurs collègues qui sont résultés de ces 50 ans par Russie. Bonjour, vous êtes à Genève, vous avez vu la mobilisation ici à Genève, vous êtes satisfaite? Je suis satisfait, je m'attendais à avoir plus d'urgence, mais ce n'est pas le cas. Alors nous reparlons à la diaspora est mobilisée, mais les Togolais sont pas sortis, donc vous êtes déçus? On n'est pas organisé. On n'est pas organisé. Comment est-ce qu'on peut affronter un régime comme celui-là si on ne met pas en place un minimum d'organisation qui est basé sur la discipline et la rigueur? Et nous, on a bien, parce qu'on ne voit pas une réelle volonté de notre part de travailler ensemble. C'est dommage. Je ne suis pas fier d'être ici. Parce que ce n'est pas mon pays. Mon pays attend pour moi. Ce serait le positif pour nous. Mon pays attend de moi que je rende de ce que j'ai reçu de ce pays à ce pays. Parce que vous êtes dans nos années de jeunesse, nous les donnons à un pays. Il faut que la lutte continue. On n'a
on a et nous, plus et nous, le choix que de faire la lutte. Notre seul choix, c'est de faire la lutte. Et donc, à partir de maintenant, nous devons commencer par nous réunir. Nous devons commencer depuis chez eux à la maison, cette mobilisation qui continue le peuple togolais. Mais nous venons en révolution. Non, je demande à la mobilisation est une condition. Mobiliser. La mobilisation est une condition. Ce n'est que par la lutte que nous pouvons vaincre ce régime. Donc il faut que la diaspora et le peuple togolais soient mobilisés. Jusqu'où la France ne parle pas de cette mobilisation. Quel est votre sentiment? Un sentiment de déception. Et venant de donc, voilà un terme d'organisation de programme. Donc, il faut que le peuple soit mobilisé. D'accord, pour réclamer. Gamelé, on va vous dire ce qui a été fait en direction de tel ou tel leader politique. Dakaro Kiki. Juste le retour maintenant, de la constitution de 92. Il y a un message à Gbéa. Merci beaucoup. C'est à Genève. Bonjour. Vous manifestez comme nos compatriotes au pays. Vous êtes satisfait de cette mobilisation. Nous sommes très satisfaits. Nous sommes très satisfaits. C'est la première fois que je vois ce qu'on est venu ensemble pour manifester pour la même cause. La dictature. Nous sommes très satisfaits. Aujourd'hui, nous sommes devant le futur de la ministre de l'économie et des finances. La elle est. Bien pour faire Georges à deux ans. Et pas d'avancer. Pour dire. Et tant que nous étions là, Georges. Franchement, on est tout là. On est tout là. On est tout là. Mais en même temps, on est à Banan. Depuis 90 à 2010, la libération du Togo.
Du nord au sud, mais on a suivi depuis quelque temps, on ne parle pas à son peuple. Non, le quick
fête, c'est quoi? Ça dépend de la stratégie qu'il a choisi. Je dirais qu'il s'est mis à l'arrière. Et qu'ils sont en train de faire des trucs. Pour vous laisser pendant 30 minutes, qu'est-ce que vous avez à dire à cette diaspora pour le fait de vous prendre sur la diaspora togolaise, vous manifestez son plein pour encore plus de réalisation? La diaspora, en fait, nous avons vraiment un grand rôle à jouer cette fois. Pourquoi? Parce que vous pouvez dire que nous sommes ceux qui venons du pays, ce qu'on ne savait pas, on a une mentalité un peu plus élargie et nous avons des idées vraiment pour sur la politique. Alors maintenant, qu'est-ce que vous faites pour soutenir ceux qui sont sur le terrain? Parce que nous sommes ici, nous ne pouvons pas être dans les rues. Sinon, aujourd'hui, nous tous sommes actuellement allongés dans les rues. Mais on ne peut pas aller au pays pour être dans les rues. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut soutenir vraiment le peuple. Et comment est-ce qu'on peut soutenir le peuple? C'est par des vidéos, c'est par des prises de position claires, et c'est par des moyens financiers qu'on peut envoyer à la population. Ce qu'on est en train de faire déjà, c'est déjà le but et c'est bien. Pourquoi c'est bien? Parce que ça nous permet tous de voler de se connaître d'abord. Parce que vous ne pouvez pas avoir un objectif commun. Vous battez chacun de son côté à arriver vraiment à l'endroit. Aujourd'hui, on est regroupé, d'une manière regroupée, on pourra encore plus avoir plus d'idées, on pourra encore plus s'échanger. Et là, je pense que de cet échange-là va sortir quelque chose de meilleur. Tout à fait, merci beaucoup. Nous sommes toujours devant le siège des Nations Unies. Nous allons avoir beaucoup d'interventions. Mais les Togolais sont toujours contre les Chilèbes, les Gololos, Il y a un peu de temps.
Toujours la mobilisation continue ici même à Genève. Nous avons vu un Suisse qui connaît bien le bonjour. Votre sentiment après avoir passé cette manifestation de Togolais qui réclame le retour à la constitution de 92, la dictature de Suisse en Togo. Des escrocs qui veulent assujettir la jeunesse africaine. C'est pas possible. Nous, c'est notre métier. Moi, je suis là pour soutenir le soutien, le peuple togolais. Laissez tomber les histoires de fond. C'est qu'on discute de la jeunesse. À nouveau, une guerre d'indépendance. Ceux qui sont de la jeunesse sont avec moi. Donc, il n'y a pas tard. Il est égoïste. Donc, à Egoignon, j'ai parlé comme un enfant. Après, Je lance un appel à Konya Singbe. Ce qu'on dit aujourd'hui, il n'a qu'à se mettre au pouvoir. Parce qu'on en a marre. Tout comme le Doya, mais Singbe, mais le Tita. Et à Mokoula, retiens le Singbe. Fort Nya Singbe, le Singbe, il est grand. Il n'a qu'à se mettre au pouvoir. Non, mais pouvoir quoi? Moi, c'est ça. La droite, c'est la littérature. Il y a des gens qui ont été en train de se faire.
pour la région locale. Il n'y a qu'un latéral pour la question. Il y a une vraie boulot sans bébé. Il y a un peu de temps. C'est vrai, il y a des intérêts, on sait, de cette armée. Voilà. Il va arriver un moment où, maintenant, il y a un bel Américain veut l'armée américaine. On va avoir des responsabilités. Pour soutenir le peuple togolais dans son combat pour un Togo libre et juste. Très, très puissant. Et il y a un Tongwa. Il y a un Négon. Il y a un Tongwa. Il y a le cerveau, l'état de la nature sacrée de l'humanité. Je ne pense pas que la lutte que nous faisons au Togo, il y a un peuple dans ce monde qui est allé à ce niveau. Mais quoi mobilisation qu'on fait à l'Iona depuis des années, pour que à la fin, ils ne sont pas arrivés à ce niveau. Gambie, ils ne sont pas arrivés à ce niveau. Définitivement. Il y a d'autres pays. Voilà pourquoi le Togo, c'est parce que les militaires togolais ne veulent pas aider le peuple togolais. Et les meilleurs, ils ne veulent pas aider le peuple togolais. Donc, faites en sorte que ces militaires prennent conscience qu'il y a des gens qui vivent dans ce pays et c'est des gens qui sont aimés par Dieu. Vous aussi, vous êtes aimés par Dieu. Prenez votre responsabilité pour aider le peuple à avoir ce que vous voulez. Est-ce qu'il y en a à porter les diasporas sont américains et la soulade pour les miens en torsion. Nous sommes tous les apportés. Nous sommes tous les apportés. Il faut que chacun s'interroge. Mais il n'y a que quoi la signer un peu, nous devons nous mobiliser. Il faut que chacun s'interroge. Nous devons nous mobiliser. Déjà, beaucoup de travail. De discipline. De sérieux. Il y a des millions de robes, on est encore Namia. On est né avec des corps. Namia, le porte-parole Namia. Il faut les soutenir, leur faire confiance, leur donner les moyens, aussi bien matériels, financiers, de réflexion, de conseils et tout ça. Donc, eh bien, il y avait un message en Ivena. Il doit partir. Parce que Togolo Mouda connaît pas. Togolo Mouda n'y est pas. Patapare de son ami d'arrêt. Dans mes soucis, que les Togolais se mobilisent massivement. Mais qui est que nous devons le dire? Nous devons bien soutien total. Voilà, il y a la vie qu'on l'a vue, qu'on le tourne, qu'on l'a vue. Il y a la vie. Ni les deux soutiens fermes là-haut. Et ni les deux encouragements là-haut. Bonjour, vous manifestez ici devant le Sénat des États-Unis, mais...
à la loi de la mère Togolaise. Tout à fait, parce qu'en fait, Et on vient d'appeler, oui, les gens, les dodgy, donc autant pour toi, j'en vois.